Lisa Després, on est ici aujourd'hui à l'Union. Vous êtes, vous avez changé de club, de White Star Woluwe, de retour à Mons. Comment tout se passe là-bas pour le moment? Ça se passe bien en fait, je suis très heureuse d'être revenue ici et puis footballistiquement là, depuis qu'on a repris le championnat, on gagne tous nos matchs donc ça ne pouvait pas mieux se passer en termes de foot et puis humainement évidemment ça se passe très bien quoi. Oui, vous avez gagné le premier match je pense 8-0 contre Charleroi, aujourd'hui même 10-0 ici à l'Union donc vous marquez des buts, vous jouez bien au football. Le projet, c'est pour remonter en D1, je pense. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif premier, c'est viser la première place et remonter directement. Mmh. On sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on doit prester de la première à la dernière minute parce que l'objectif, c'est d'être championne et de remonter en D1, je pense, là où notre place est réellement. Mmh. Le grand adversaire, c'est normalement la Lovière, je pense, qui aussi fait beaucoup d'efforts pour prendre le défi de plus haut. Vous voyez ça aussi comme ça? La Louvière, voilà, on sait que c'est notre principal concurrent. Après, ça reste du foot et je pense que avec l'envie, la mentalité et les capacités qu'on a, on peut évidemment faire ce qu'il faut faire. Oui, et il y a aussi à la Louvière quelques filles que vous avez côtoyées à Woluwe. Donc ce sera un match entre un match, hein, je pense. Oui, bien sûr. Après, je pense que l'enjeu principal qui restera dans nos têtes, c'est que oui, on n'a pas le droit à l'erreur ce match-là. Après, c'est sûr, oui, il y a des petites particularités comme ça qui vont faire surface, mais c'est pas du tout ça qui... la priorité quoi. Ok, je vous remercie, félicitations avec la victoire. Merci. Ici et bonne chance pour le championnat. Merci à vous.